Bonjour les tourterelles. La grubule. Non, 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 non! Va-t'en pas! Reviens! Reviens, s'il te plaît! Oh, oh! T'es encore là! Je t'entends qui te trottine! Oh, 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 oh! Oh! Pourquoi tu te caches dans les murs? Oh! Oh! Tu marches aussi dans le plancher! Et moi? Moi, j'aimerais ça être ton ami. Yui, tu l'as? Non, 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 va-t'en pas, va-t'en pas. C'est moi, Alia. Éloigne-toi pas. Je reviens. Vite, 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 vite. Je suis devant ta porte et je fais toc. Et je fais toc, toc. Et je fais toc, toc, toc. Chut! La petite grubule est ici. Dans ta maison? Oui. Oh, je veux la voir. Où elle est? Je la vois pas. C'est parce qu'elle joue à se cacher dans les murs. Et aussi, elle marche dans le plafond. Dans le plafond? Oh, je la vois! Où ça? Là! Hein? Là, là! Là! Est encore parti. Un morceau de biscuit? Peut-être que c'est elle qui l'a échappé. Oh, mais oui! Quand je l'ai vue tantôt, elle était en train de grignoter. C'est de la galette azimazim. Oh, oh, oh! Sais-tu quoi? Moi, je pense qu'elle aime beaucoup les galettes azimazim parce que souvent, je les retrouve grignotées. Oh, moi, ça me donne une idée. Moi aussi! Si on veut qu'elle revienne, il faut aller chercher d'autres galettes chez Azim. Plein de galettes, comme ça, on va toujours en avoir à lui donner. Et elle va toujours venir nous voir. Oh oui! Azim! C'est nous! Qu'est-ce que tu fais? Es-tu là? Le petit chadron est là. Il cuisine. Alors, il faut cuisiner. Touille, touille, touille la ratatouille. Touille, touille, touille la soupe aux nouilles. Ah, vous arrivez juste à temps pour déguster ma nouvelle recette de petit déjeuner. Comment elle s'appelle ta recette? Bonhomme nuage avec tache de rousseur. Mmh. Le bonhomme nuage est en yogourt. Les yeux, le nez, la bouche sont en raisin rouge et en raisin vert. Et les taches de rousseur, elles sont en quoi? En sucre d'érable! Oui! Quel merveilleux petit goûteur vous êtes! Maintenant, je vous laisse déguster et je me mets au travail parce que j'ai des tas de commandes à livrer et plus une seule galette azimazim. Je dois faire une énorme quantité de pâte azimazim. La mélanger, la pétrir, la rouler, la découper, la faire cuire et refroidir et la livrer des auges. Oh! Un trou. Encore cette grubule. Elle se faufile par le moindre petit trou, elle gruge mes sacs de farine, elle grignote mes provisions. Ça ne peut pas continuer. Il va falloir que je l'attrape. Faut pas que tu t'énerves comme ça, Azim. On va t'aider à tout ramasser. Et si tu veux, on peut aussi t'aider à aller faire tes galettes. Oh! Vous êtes gentil, mais les galettes azimazim se font toujours en chantant. Et je peux pas chanter pendant qu'une grubule se promène dans ma boulangerie. Je vais devoir mettre des trappes.
T'entends-tu, petite grubule? Sauve-toi! Sauve-toi! Vite! Voilà! Une pleine boîte de trappes à grubule. T'en as plus besoin? Elle est partie. Par le trou, là! On l'a vu s'en aller. Vous l'avez vu? Oui! Mais elle va revenir. Et quand elle reviendra, mes trappes seront prêtes. Non! Pas de trappes, s'il te plaît! J'ai une idée. Nous, on va aller chercher Abou et on va lui demander de boucher tous les trous. Oui! Comme ça, t'auras plus besoin de mettre des trappes! Et la grubule pourra plus revenir. Et toi, tu vas pouvoir chanter? Et faire tes galettes. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est une merveilleuse idée! Grâce à vous, j'ai déjà retrouvé le goût de chanter. Si la grubule peut plus aller grignoter chez Azim, elle va pouvoir venir dans ma maison à moi. Et comme nous, on va toujours lui donner des galettes. Elle va toujours venir nous voir. Ananas. Nanananananana. Le madeleine ne décolle pas ce matin. Je suis en train de le nettoyer. Encore? Vous êtes toujours en train de le nettoyer? Mais c'est parce qu'il faut toujours qu'il soit propre. Je ne supporte pas la moindre petite tache sur mon madeleine. C'est pas votre madeleine. Il est à tout le monde, le madeleine. On peut le prendre quand on veut. Oh! Vous entendez, monsieur Crackpot? C'est l'heure d'aller sonner votre cloche. Ma cloche. Oui, oui! Ma cloche! Ma cloche! C'est très mauvais de s'énerver comme ça, monsieur Crackpot. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un costume, monsieur Crackpot. Un costume. Et je suis sûre que Yui et Alia vont l'adorer. Pas la peine de les chercher. Ils sont partis avec le madeleine. Pendant que j'avais le dos tourné. Et je n'avais même pas fini de le nettoyer. Oh! Quelle déception. J'espère que cette fois-ci, ils le saliront pour la peine. De la boue, de la poussière, et pourquoi pas des cacas d'oiseaux? Pour que vous ayez l'immense plaisir de le nettoyer de nouveau. Oh! Et quand nos chers pitchouns seront revenus, vous me les enverrez, c'est promis. Merci, merci, vous êtes gentils. Très gentils! Jamais, jamais, jamais. Je ne suis pas gentil. Je déteste être gentil. Jamais. Je ne serai gentil. C'est moi qui fais le tournevis. C'est moi qui fais la scie. Scie, marteau, pinceau. Tourne le tournevis. Vire le vilebrequin. Pince, pince le goujon. Pousse, pousse le piston. Tire la baguette. Vire la roulette pour que chante la girouette. Rabou! 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 On dirait qu'il est pas dans sa maison non plus. Rabou! Faut chanter pour cuisiner des galettes azim azim. Il faut chanter pour cuisiner des galettes enchantées. Qui donne envie, qui donne envie, qui donne envie de chanter. Mais surtout, surtout, il faut avant tout et plus que tout. Il faut de la joie dans la cuisine, quelques œufs de la farine, de la purée de clémentine, des pétales de capucine, et des épices qui embaument, et de la réglisse, et des arômes.
faut chanter pour cuisiner les galettes à zim à zim. Il faut chanter pour cuisiner des galettes enchantées. Qui donne envie, qui donne envie, qui donne envie de chantonner. Mais si jamais il est parti pour longtemps, on peut pas attendre toute la journée. Et regarde, Rabot a laissé un sac sur notre tablette, plein de bouchons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des bouchons? On peut faire le petit cochon. Oh, ou encore mieux, encore mieux. On peut se boucher les oreilles. Comme Crackpot quand il veut pas qu'on le réveille. Hé, hé, dégagez, dégagez, dégagez. Ça me donne une idée. Peut-être que si on trouve pas Rabou, on pourrait apporter ces bouchons-là à Azim. Et lui, il pourrait les prendre pour... boucher tous les trous de grubuants, hein, mais oui. Oh, regarde! Une porte surprise! Wouhou! T'as vu, Alia? Il y a plein de sable. Et il y a des cailloux. Ici, il y a de l'eau qui coule sous la porte. Oh! Peut-être que si on l'ouvre, on pourrait aller jouer dans le sable au bord de l'eau et se baigner. Ou bien lancer des cailloux dans l'eau. Oh! Il faut trouver comment l'ouvrir. Vite, on ouvre la boîte à devinettes. Waouh, c'est la mer. Et il y a un arbre, un rocher... un coffre. Peut-être qu'il y a un trésor dedans. Un singe. Peut-être qu'il veut aller se baigner dans la mer, lui aussi. Mmh. Oh. Non. C'est pas dans la mer qu'il faut le mettre. Peut-être qu'il faut le mettre dans l'arbre. Oh oui, c'est ça le jeu. Il faut mettre chaque chose à la bonne place. À mon tour. Une étoile de mer. Oh, ça, c'est facile. Elle, elle va... dans la mer. Il reste juste un oiseau. C'est une mouette. Moi, je dis qu'elle va... sur le rocher. Bonne idée. Ça s'ouvre pas? Il y a plus rien dans le coffre. Mais il reste le coffre. Ça s'ouvre! Oh! C'est le Magli! Ça veut dire qu'on va aller se promener dans la mer en Magli! Regarde, des poissons. Il y en a tout plein. On les suit. Là, par là. Waouh, il y en a beaucoup. C'est la première fois que j'en vois autant, des poissons. Moi aussi. Regarde, regarde le gros rouge. On peut voir dans sa bouche. Là. Là, le petit bleu. Oh, il est beau. Là. Là. Le jaune avec le grand nez. J'ai presque pas vu. Et là. Là, il revient. C'est vrai qu'il a un grand nez. Alia. Un requin. Wow. Moi, c'est la première fois que j'en vois un vrai requin. Moi aussi. Il vient de manger un poisson. Les requins, ils peuvent pas entrer dans le Magli, hein, Yui? Non, ils sont pas capables. Ça veut dire que même si on a un petit peu peur, c'est pas dangereux, hein? Non. C'est pas dangereux, non. Oh. Mon sac de bouchons vient de tomber. Oh!
On a oublié Azim. Il veut se demander pourquoi on n'est pas revenu. Vite, faut rentrer. Ouf, quelle matinée. Encore cette odeur. Une odeur merveilleuse. Vos galettes sont-elles cuites, monsieur Azim? Pas encore, mais je vous promets de vous en apporter dès qu'elles le seront. Oh, merci, merci. Vous savez comme je suis gourmande. Monsieur le chef de garde, dites-moi, est-ce que Yui et Aliyah sont revenus? Non. D'ailleurs, ils sont partis depuis trop longtemps. Et si on avait besoin du Madeleine, oh, c'est insupportable. Et tout ça pour s'amuser. Est-ce que je m'amuse, moi? Mais bien sûr que vous vous amusez, hein? Quand vous lavez le magli, hein? Et quand vous sonnez votre cloche. Non, non, non. Je fais mon devoir. Un point, c'est tout. Oh, oh. Quel mal y a-t-il à s'amuser? Ils auraient bien le droit de s'amuser. Mais non, justement, ils ne sont pas allés s'amuser. Ils sont partis me rendre service. Eh oui, parfaitement. Ce sont de merveilleux enfants. Toujours tellement gentils, attentionnés, serviables, qu'il m'arrive d'en pleurer de joie. Qu'est-ce que vous faites? Je rappelle le Madeleine. Et s'ils ne sont pas prêts à revenir? Eh bien, tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous dites? Tant pis pour eux. J'entends pas. Et vous êtes sourd? Quoi? Vous vous moquez de moi, hein? Hein? Non. Allons, allons! Ne vous énervez pas comme ça, hein? Oh! Les voilà justement qui arrivent. Mais qu'est-ce que vous attendez? Dégagez! Dégagez! C'est le Madeleine! Ça sent la galette. Est-ce qu'elles sont prêtes? Pas encore, mais Rabou est pas avec vous. Pas de planage sur la piste, on quitte l'atterrissage pour l'entretien du Madeleine. Rabou était pas chez lui. Mais on a trouvé autre chose qui va pouvoir t'aider. Des bouchons. De toutes les grosseurs. Comme ça, tu vas pouvoir boucher tous les trous de grubule. Quelle idée extraordinaire! C'est ce que je vais faire et tout de suite. Veux-tu qu'on t'aide à les boucher? You! Qu'est-ce que c'était, ça? Un costume. C'est évident. Allez-y, vite! Moi, j'ai affaire. Et puis, je dois surveiller mes galettes. T'es belle! C'est un costume de... De pieuvre! Avec des... Oh! Tentacules! C'est ça! Je savais bien que ça vous plairait! C'est le plus beau costume de pieuvre au monde! Oh oui! Et ce n'est pas fini! Je dois en imaginer plusieurs autres. C'est pour un bal masqué et ils veulent tous des costumes de poissons et d'animaux marins. Mais Babiouche, si tu veux, nous on pourrait te donner des idées de poissons. Ah oui! Parce que tantôt on a ouvert une porte surprise et on est allé dans la mer en magli. On en a vu plein de poissons! Oh mais c'est formidable! Moi, je dis que tu pourrais faire un costume de très gros poissons rouges. Oh oui! Et il aurait une très grande bouche. Et des tas de picots. Oh, oh! Attendez que je prenne mon carnet. Je vais noter tout ça. Des tas de picots? Oui. Hein? Et aussi, tu pourrais faire un costume de... de poissons jaunes. Avec un corps en forme de tuyau. Et un très long nez. Oui! Poisson jaune, très long nez. Aussi, c'est des très bonnes idées. Aussi, Babiouche, tu pourrais faire un costume de requin. De très gros requins. Très épeurant. Mais j'ai déjà un costume de requin. Voulez-vous le voir? Oh oui! Alors fermez les yeux. Vous pouvez regarder. Oh, wow! Il est encore plus beau! Est-ce que je peux essayer le masque? Mais bien sûr! Voilà! Oh. Et moi, je veux essayer... ça! Regardez! J'ai un petit poisson sur la tête! Oh, attention! Parce que moi, je mange les petits poissons! Ah! Au secours! Au secours! Azim! Qui veut des galettes, Azim? Oh!
Une boîte pour Babiouche. Oh, je chantonne déjà. Un panier pour Alia et un panier pour Yui. Oh, merci, Azim. Est-ce qu'on pourrait les apporter avec nous et les manger chez moi? Bien sûr, pourquoi pas. Bulle. On t'a apporté des galettes. Tu sais, les galettes Azimazim. Celles que tu viens grignoter. Oh. Je l'entends qui trottine. Oh, moi aussi. Elle s'en vient par ici. Bonjour, Crébune.